Bienvenue, gameplay avec Claire Redfield sur Resident Evil 2, c'est parti. Hop, hop, compagnie. Nouvelle partie. Claire Redfield en normal, c'est parti. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar. Et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Oh merde! Compris, faut que je file. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi? C'était quoi ça? Eh oh! Allez, c'est parti. Alors. Est-ce que j'ai une arme? Non. Qu'est-ce que c'est la touche de l'inventaire déjà? Eh oh? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh oh? Ça va? Ouais. Restez ici. Je vais jeter un œil. On a virus, hein. Bouge pas, je te dis. Excusez-moi, mais tout va bien? N'approchez pas. Ne t'approche pas de moi! Allez, yes. Un truc à ramasser.
faut m'énerver, donc je suis presque survivant. Allez. C'est quoi la clé? C'est quoi le... Ah, bon, toi, c'est ta clé, ok. Bah, on sait tous que... très bien que t'es vivant. Bah, ouais, bah, j'étais sûr. J'étais sûr. Qu'est-ce que ah ça mais veut c'est dire une vanne ça. Ah mais putain de merde. Oh il... Pourquoi changer un peu. Ça me décède en fait. Merci bien. T'aurais la couleur. T'es mort, j'espère. Putain, je suis vraiment connard, j'ai perdu le début du jeu, quoi. Fais chier! Ah, c'est fini. Allez, là. Ouais, hop. Oh putain de tes grands morts! Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'avais pas vu. J'ai pas manqué ça. Lâche-toi! Ouais, je peux plus qu'une balle pour m'en tuer. Yes. Faut se tirer d'ici. Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon dieu. Rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. À tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt.
Tu marques un point. Oh la vache! Ah! Léo, il faut que tu recules! Oh non! Oh merde! Claire, sors d'ici! Allez, vite! Je peux pas! Le commissariat, j'y suis presque. Ouais, cartouche. Allez, Chris, où est-ce que tu es ? Merde, il y en a à l'intérieur. David ! Marvin ! Vous m'entendez ? On a un moyen de sortir ! Tout est là-dedans ! Il faut que j'aille l'aider. Non. Carrie Dever. C'est parti. Personne peut sauvegarder où c'est sur moi. Ah merde. Pourquoi c'est le bordel comme ça? Ok, c'est parti. C'est ici, c'est pas drôle. Salle du gardien. Ouais, c'est par ici. Ouais, ouais, sinon c'est pas drôle. Génial.
Il est où? Pas là. Oh, super. Donc je me trompe. Elle est où cette... Elle est où la putain de map? Bon, Clarès, du coup, il est tout au fond. Je vais essayer de le garder. The fuck? Respire, Claire. Respire. Ne rate putain de merde. Ça. Ok. Je me trompe pas. Tout fond droit, hein, au cas où je cours. Doucement. Seconde. Ouvrez-moi. Ouvrez cette putain de porte. J'arrive. Ouvre la porte. Vite. Dépêche-toi. Ouvre-la. Donnez-moi votre main. Aide-moi. Allez hop, c'est fort. Donnez-moi le poing. C'est bon, je vous tiens. Oh mon Dieu. Ah là, c'est décédé, hein, et salut, hein. Je suis désolée. Carnet d'un officier. Oh mais ça c'est une blague. Tu sors d'où? Ouais, j'en étais sûr que t'allais venir par là toi, putain de merde. Je me casse. Oh mais faux grand. Eh mais forcément tu veux que je passe comment, Rose John? Laissez-moi partir. Comment j'ai pu passer mon chien? Plus en temps clair encore, hein. Eh mais bout d'un moment. Marvin Brana. Merci. T'as appris à te défendre, on dirait. Apparemment. Ouais. Disons que je sais me débrouiller. Ouais. Bien. Que mourir il y a 3 secondes, mais est-ce ouais. Est-ce qu'on sait ce qui a causé tout ça? 4 dames. Il y a pas mal de théories. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que cet endroit est infesté de zombies. Ouais, j'ai vu ça. Hé, hey, garde ça allumé. On sait jamais. Je vais pas traîner ici. Juste le temps de retrouver Chris. T'es vraiment la sœur de Chris? Oui. Pourquoi? Vous avez quelque chose? Il est en vacances. En Europe, je crois. Depuis quelques semaines. En vacances? C'est...
une bonne nouvelle. En parlant de bonne nouvelle, apparemment, il y aurait un moyen de sortir par ce passage secret, là. Super. Hey, on devrait vous emmener à l'hôpital. Non, non, non. T'en fais pas pour moi. Je peux me débrouiller. Hein? Allez, dites pas de bêtises, il vous faut de l'aide. Écoute, Claire. Il faut que tu sauves ta peau. Que tu puisses revoir ton frère. Tiens. Tu vas avoir besoin de ça. Non, pas question que je prenne ça. Et vous... Sois prudente. Si tu croises d'autres de ces choses... Peu importe qui ils étaient, tu dois pas hésiter. Tu l'es si tu peux. Sinon, cours. Yes. Bon. Trouver 3 médaillons. Déjà, je suppose que ça c'est du scotch. Ouais. Ok, on passera par là plus tard. Par où est-ce que je peux aller en fait? Je peux retourner par là-bas. Fiché. Et là, il me faut une clé. Est-ce que je peux aller par là-bas? Putain, il me faut une clé aussi. Et puis porte là-bas. Chut. Pourquoi la musique elle s'énerve encore là? Ah! C'est vrai. Alors le lion, c'est un lion. Ok. Une plantaine. Ok, donc le lion. Ok. Allez. Easy peasy. On va le mettre juste après. Et de l'autre côté en haut. Pas besoin d'une clé. Ok. Bienvenue à Raccoon City, le saviez-vous, Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, géant dans l'industrie pharmaceutique, elle est également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns des spots insolites de notre ville. Alors le commissariat, bâtiment situé en plein cœur de la ville, n'a pas toujours été un commissariat, il abritait autrefois un musée. Certains éléments, comme son horloge pittoresque et la statue de la déesse dans le hall principal, sont des vestiges de cette époque révolue. Orphelinat... Ah, nickel, je suppose que c'est les deux endroits où je vais aller. À quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella, avec l'aide généreuse d'entreprises et de particuliers. Le bâtiment est célèbre pour son vitrail qui attire des visiteurs venus du monde entier. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Quelle idée de transformer un musée en commissariat. Une maison, je suppose. Ouais, que je n'ai pas. Oh. Ok, bon. Je peux pas passer par là, donc je suis obligé de passer par en bas. Un plaisir.
Tac, tac. Nickel. Donc Elliot avait raison. Ouais, mais on n'est pas encore sortis. Ça c'est le cas de le dire. C'est moi qui fais des traces de pas ou c'est le trapasse là? Ouais, c'est le trapasse. Attends, quoi que... Non. Je ne sais point. Bref. On va déposer une bande verte. Hop. En faire genre s'arranger. Voilà. Bon, on va faire une petite sauvegarde. On va s'arrêter là pour ce premier épisode, n'est-ce pas? À bientôt dans le second. Des bisous.